Coucou, petite vidéo pour Mamita, pour lui dire que moi je vais bien, parce que bon bah du coup je peux pas aller la voir. Donc bah mamie, je vais très bien, ta libellule va très bien. En ce moment je suis à Osaka, donc dans le centre du Japon, et bon il fait pas très beau aujourd'hui, c'est un peu couvert, mais il fait pas trop froid. Et comme tu dis toujours, bah, je mange bien, je dors bien, pas assez parce que je me couche pas tôt, donc voilà, mais je dors bien, je mange bien, je suis un peu enrhumée. Je pense que c'est maman qui m'a filé sa crève de Paris. Elle est venue jusqu'à moi me retrouver. Donc voilà, je me balade tous les jours à pied, donc c'est sûr, j'ai un peu les jambes qui brûle un peu, mais bon après c'est l'habitude. Et puis ben donc je suis toujours avec mon sac à dos qui est relativement lourd, tout rose. Et donc voilà, donc je fais des visites, je rencontre des gens parce que mon japonais est un peu meilleur maintenant. Et donc du coup donc je discute avec des gens, des étrangers comme moi, et on va boire un coup, on va manger ensemble. Donc voilà, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je me déplace de ville en ville en train. Donc bon, au Japon, les trains, ils sont super nickel, toujours à l'heure. Vraiment, le personnel est vraiment adorable. Donc voilà, non, pas de soucis, tout va bien. Et donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Là, je suis dans le parc du château d'Osaka. Donc là, je suis dans le parc. Donc voilà, il n'y a pas grand monde autour de moi, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc bah mamie, j'espère que tu vas bien te rétablir, parce qu'il faut que tu te rétablisses de toute manière, t'as pas le choix, hein. Que tu fasses attention, que tu sois pas trop rapide à vouloir tout faire trop rapidement, hein, à vouloir remarcher, gambader comme une gazelle. Donc prendre ton temps, en plus il y a tes filles à côté, donc voilà, tout le monde est là, donc c'est le principal. Donc bah repose-toi, rétablis-toi bien, et je te fais plein de gros bisous, mamie. Gros bisous de ta libellule, gros bisous du Japon, bisous bisous.